Vraiment que ce moyen, grâce et paix, mon Dieu, avec nous, la paix, mon Dieu, avec nous. Et moi, souhaiter nous, un moment très agréable que nous allons passer en présence et ensemble avec moi, de par message que je porte pour nous aujourd'hui. Hein. Moi, je demande nous un peu l'attention et penser que chaque monde a besoin assez de provisions spécialement pour semaine sainte ça, une semaine que m'était annoncée à l'avance, qui est une semaine de prière, une semaine de recueillement, une semaine côté que nous avons retrouvé nous de méditation, une semaine de décision tout. Amen. Donc, nous pas perdre du temps. Message que nous gagnons aujourd'hui hein, pour c'est la naissance du Christ, sa vie et sa mort. Mais nous pouvons insister surtout sur la résurrection. Raison que nous faisons comme ça, c'est parce que jusqu'à présent, on peut pas étonner parce que on a l'évangile, mais il y a un pile monde qui continue à poser question sur la personne de Jésus-Christ. Donc, on a profité l'occasion pour nous passer rapidement et exposer des faits, mettre certaines choses à la lumière et de la Bible, à partir des Écritures, pour nous montrer qui est Jésus-Christ et rapidement, information que nous avons gagnée avant même la venue du Christ. Pour ce que nous avons gagné, nous sommes capables de lire en pile prophète, nous ne pouvons pas prendre tout, mais nous sommes capables de montrer que la venue du Christ, c'est un bagage qui était déjà là depuis des années, des centaines d'années. Donc, c'est pas par hasard que Christ paraît, c'est pas par hasard que les choses faites comme ça. Il était écrit avec une précision sans pareil. Donc, ou même qui a écouté le message, non? Ou même qui peut bailler Christ la vie, leur réunit toutes données, ça. Je souhaitais que vous capable de convaincre pour comprendre l'importance qu'il y a pour bailler Jésus la vie. Amen. Nous gagnons des prophètes, en l'occurrence, nous sommes capables de prendre, par exemple, le prophète Esaïe, le prophète Michée, qui était parlé de la naissance de Jésus, avant même que Christ ait fait. Nous jouons que Esaïe était quand annoncé ça, dans Esaïe chapitre 7, verset 14. Il était dit, voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Il était grand temps en détail fait connaître que Marie gagne pour l'enceinte son petit garçon que l'a fait, elle était même grand temps gagne non petit là. Ça, c'est de Dieu que l'a recevoir information ça, hein, pour faire connaître que Christ gagne pour venir, mais c'est pas un bagage que l'annoncer. L'a pas le fait, mais l'annoncer bien avant. Même pour faire ça, pas de grand temps, ouais. Et de son vivant, il n'y a pas de grand temps, ouais, pour faire si ça qui prend place. Nous joignons même prophète ça, Esaïe encore, dans chapitre 9, verset 5. Il a annoncé, il dit en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et prophète Michée, dans chapitre 5, verset 1, il a annoncé, il dit étroit, Bethléem Ephrata, qui est une petite parmi les villes de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Donc, ce n'est pas étonnant, même peuple juif là, qui rejetait, peuple juif là, qui rejetait Christ, je te connais comme Messie qui est venu. Mais ça trompe, c'est que yo pas te connais si c'est sous forme sale qui est venu. Yo t'attend, yon Christ qui est venu sont en forme beaucoup plus sophistiquée. Assez souvent, apparence trompée, non? Et c'est ça arrivé qui fait que vous ne pouvez pas accepter Christ. Maintenant, nous avons passé sur le ministère de Christ et jusqu'à sa mort. Nous jouons le prophète Zacharie qui parlait de Christ dans chapitre 9, verset 9. Il dit, réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Nous, ouais, des événements, ça a été déroulé.
li déroulé sous yeux, mais yo était aveugle, pas de cas comprendre. Yo pas de cas accepter, gen yo t'a accepté, mais c'est pas du tout. Il était fait exactement, hein, grande et rentrée de Jésus à Jérusalem. Le prophète Zacharie était grand annoncé. Dans Somme 22, versets 17 à 19, nous jouons que roi David, qui présentait tableau ça, et nous capables de retrouver la crucifixion de Jésus là-dedans, il dit oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Et ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort mon habit. Tout ça, t'es content. Tout ça, t'es content préparé avant même la venue de Jésus-Christ. Donc, c'est autant de preuves que nous gagnons, preuves tangibles qui montraient non seulement que Jésus-Christ sont personnes qui existaient, qui passaient sur la terre. Jean la Bible t'a demandé, t'a expliqué que le bois le fait, mais qui t'a gagné une mission que le Kimbe, et il t'a été fidèle de la mission ça jusqu'à sa mort. Souvent, moi posé tête mes questions ça. Mais qui ça encore yon moun besoin? Qui ça yon moun attend pour comprendre la réalité ça? Et même là, je n'ai l'autre catégorie moun qui accepte la réalité ça, qui reconnaît li, qui dit oui, c'est vrai, il n'y a pas à sortir de là. Mais est-ce que ça pas suffit pour que moun sa, hein, qui baille la ville pour nous ta servir en esprit et en vérité, côté que pour ta fou pour lui. Des fois, je des fanatiques qui suivent un leader politique, ou bien des fois, son artiste qui suivent, et il y a un monde qui est admiré. Mais ça, pas qu'une question la donne. Ça, c'est la vérité, c'est la lumière. C'est la vie. Tout le monde te doit gagner même zesta, même faut ta fou pour observer bon Dieu en esprit en vérité. Après sacrifice ça qui fait une fête. Est-ce que c'est bon question ça on peut pas répondre. Parce que la Bible nous dit que même nous mêmes qui sauvés c'est par la grâce. Donc on a continuer prier pour que le monde soit capable de joindre grâce ça pour capable pour Dieu qui a ouvert pour capable reconnaître qui bien-être qui gagne dans sa vie, bon Dieu. Amen. Donc, nous rendons compte que assez souvent, prophétie, ça n'a pas suffi pour convaincre le monde. Prophétie qui est plus claire que moi-même qui a dit au monde qui est dans la Bible concernant Jésus-Christ et sa venue et sa mort, c'est chapitre 53 du livre Ésaïe. Côté que dans verset 3 et 7, les présenter des données qui sont tellement claires, m'appelait pour nous, il dit, méprisé et délaissé par les hommes, hommes de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. C'est attitude ça que Christ t'a gardé. C'est attitude ça que t'a choisi garder pour t'a accompli mission que t'a gagné. Christ pas de vine sous terre ni pour t'a fait show off ni quoi que ce soit, mais c'était pour t'a ba nous la vie. C'est ça qui fait que dans Jean 12 verset 14 dit déclaré, il dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est ça que l'amour Christ portait, c'était multiplication de vie, ça. C'est pour nous donner la vie. Mbakwe, en tant que
croyant, en tant que chrétien, nous avons fait un jour passer sans nous pas méditer sur la décision que tu prends. Côté que toute faute nous, tout péché nous est tombé sous dol, l'accepter la mort pour moi-même ensemble avec vous. Tant qu'on m'a invité que semaine ça, son semaine spéciale, parce que la mène nous à dimanche. Dimanche que nous considérons comme le jour de la résurrection. Dimanche que un pile monde considéré comme la Pâque. Bon, ne pas rentrer dans le détail, mais que Pâque c'est une fête juive que liée. Mais la résurrection, il n'y a pas à sortir de là. C'est pour nous les croyants, nous les chrétiens, nous-mêmes qui croyons en Jésus-Christ, nous connaissons que dimanche c'est la résurrection de notre Sauveur. Mais comment on va l'embrasser dimanche ça? Comment résurrection ça? Qui place? Comment apercevoir? Qui sens il gagne dans la vie par où? Est-ce que c'est une routine que lié, côté que chaque année, nous toujours célébrer? Par habitude, nous connaissons tout le monde habillé à l'église? Ou bien est-ce que le pot est fruit dans la vie? Est-ce que l'invité a une décision? Sous prend semaine ça comme une semaine de méditation, sous te prend semaine ça, une semaine qui supposait porter transformation, eh bien c'est sûr que dimanche, signification l'a gagné comme un jour de résurrection, comme un jour de libération dans la vie. Et Jean-Christ dit, hein, son jour, côté que ça qui mauvais dans nous tous, supposé mourir, et pour l'inviter nous à ce que nous crucifier choses mauvaises, hein, avec Christ, nous gagnons comme devoir. Semaine ça a prend fin et qui finit arriver là, qui finit son nom. Semaine ça depuis qu'elle a commencé, nous avons 8 jours devant nous. Pour que 8 jours ça, c'est un 8 jours de méditation, de prière, de décision à prendre. Il y a des choses pour nous abandonner, il y a des bagages pour qu'il mourit, il faut que la chair mourit. Pour que dimanche, il n'y a pas seulement un jour de résurrection dans la bouche, mais où senti vraiment un changement spirituel qui fait dans la vie ou et c'est lui qui a rechargé ou qui a ba ou booster qu'on a besoin il y a un paquet de significations spirituelles gain monde qui prend lit juste en cou son fête bon c'est jour ça pour habiller pour aller à l'église si c'est dans contexte ça que ouais dimanche qu'a venir demain à habiller et ben li semblable à un gâteau devant ou qui recouvre à un crème ou juste passer douette ou petit crème qui sous gâteau. Mon pas j'ai une chance vraiment pour goûter pour manger gâteau ça. Parce que ou pas mettre en position pour chita sous table pour manger avec Seigneur. Et c'est invitation ça que me fait ou célébration ça pas supposé routine, mais pas supposé fête parce que chaque année même époque l'arrivée ou gain des années de pour petit ou faire li. Mais est-ce qu'il sent vraiment le gain? Est-ce que le porte un changement spirituel dans la vie? Ou? Parce que Christ qui t'est mort et qui levé, il t'est fait pour une raison bien déterminée. Est-ce qu'on est prêt pour participer? Parce que pour capable participer à la résurrection, qu'a fait dimanche, faut capable participer à la mort de Christ. Et comment faire? Mais faut capable mourir pour renaître. Faut capable mourir pour renaître. Il y a pile dans nous qui pas jamais établi fait ça côté que il y a des habitudes, il y a des choses anciennes qu'il faut laisser. Faut capable mourir pour capable renaître. Si on a ou même toujours les juste passer tant qu'on fait mais pas gain rien, pas gain pièce valeur spirituelle. Mais sous prendre décision de les laisser en arrière. Tu prends décision, dit que je peux l'engager, je peux profiter de semaine sainte ça pour me vivre dans l'autre direction. Et bien, dimanche, c'est la résurrection. Parce que Christ promet le monde qui mourit avec lui, et bien, il y a résurrecté avec lui. La résurrection, c'est pour lui. C'est pour vous-même ensemble avec lui. Amen. Donc, partie ça très important. Et Jésus-Christ prend le temps. Pour un peu le monde qui par connaît que m'a pas prendre noir soir que lui prend le temps nécessaire à sa mort là dans un endroit que le pas obligé aller la bible nous dit que il est descendu aux enfers
c'est au pluriel. On ne parle pas de l'enfer qui est un endroit que nous connaissons en pile monde à retrouver parce que il était désobéissant à Dieu. Non, c'est pas de endroit ça que n'a parlé ou un endroit qui est damné, ou un endroit que Jésus pas gagné pour te mettre pied là. Mais là aller aux enfers, c'est un endroit qui est tout à fait différent. C'est là l'on côté que la situation de tous ceux qui s'y trouvaient dans pile monde des personnes justes qui étaient morts avant la venue du Christ, bien que proclamer l'évangile pour tous, ni les bons ni les méchants attendaient l'évangile, leur descendant doit ça, mais il y avait des saints qui attendaient leur rédempteur, la délivrer. La Bible nous parle de cela, il dit que la mettait au dehors en prison, ça était captif. Donc, c'est pour montrer que c'était un travail général qui t'a fait. Il était fait ni pour les vivants et pour les morts qui s'étaient trouvés parce que non mieux t'es enfermé en côté. Il t'a souffri. Christ est descendu aux enfers. Là, il a retiré clé la mort qui était nommé Satan le diable pour te délivrer mon Seigneur. Donc, c'est important pour qu'on partie ça à tout. C'est un bagage extraordinaire, la résurrection du Christ. Et si y a l'évangile pas reposé sur la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, carrément, on m'a dit, c'est pas l'évangile pour la ça. Parce que si Christ pas ressuscité, d'un coup, en pile monde quoi, qui raison que nous-mêmes nous gagnons, qui raison l'Église t'a gagné pour l'exister. Tout espoir nous reposer sur la résurrection du Christ, parce que c'est lui qui résurrection pas nous tous. Nous connaît que l'heure arrivée pour nous aller, eh bien, nous gagnons pour nous revivre. Nous avons vie éternelle, capitaine nous. Amen. Donc, m'inviter ou même qui continue à négliger l'évangile, ou même qui peut comprendre l'évangile au sérieux, pour écouter message ça avec un peu d'attention. Parce que process ça, son process qui coûtait la vie, son sang précieux qui t'est coulé. Il n'y a pas de gain, aucune raison pour s'en sortir coulé parce que Christ pas jamais commet rien pour qu'il t'a fait s'arriver. Mais c'est péché pas ou, péché pas, c'est tout que le passé le ramasse, le péché tout le monde. Et puis, il dit que m'a payé pour mon sœur. Et qui prit le bail, c'est vie pâle, il offrit la vie. C'est ça qui fait, yo, l'heure t'est annoncé dans Jean. Chapitre 2, verset 19, côté que l'itérépagnol dit « Détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. » Pas qu'une personne qui était réellement saisi ça le tape dire, parce que là, ça veut dire que bon, pour quelques années, pour temps ça a été bâti, comment on fait dire que dans trois jours, on est capable de rebâtir encore. Mais il ne peut pas parler de temple, ça le tape parler de corps. Il le sa fait. La résurrection prend place, c'est le ça pour te rappeler de parole. Ça, il vient comprendre sans ni. Il parlait de sa personne. Il était déjà connu. Combien de temps il va le passer dans le séjour des morts? Toute démarche ça a été faite avec un seul but, c'est pour te offrir moi-même avec vous la vie éternelle. Donc, m'inviter aujourd'hui pour qu'on comprenne l'importance, excusez-moi, l'importance de la célébration. Je ne sais pas qui côté on va célébrer, je ne sais pas avec qui dimension on va faire, mais c'est un enjeu qui est important dans la vie chrétienne. Je ne vais pas parler de religion, je vais parler du croyant, monde qui croit dans Jésus-Christ comme sauveur et maître, monde qui décide de suivre. Moun qui voulait ben Jésus la vie. Et mais cette résurrection, c'est notre résurrection parce que le banon la vie. Moi souhaiter nous même qu'a écouter message là, nous gain pile chose que nous t'ai quitté mourir dans semaine ça. En pile chose que nous séparer nous deux yo. Semaine ça. Pour nous capable participer à la mort du Christ. Comme ça, dimanche, célébration, pas porter un nom célébration. Présence dans l'église qu'on peut visiter, pas seulement yon show-off, mais on va aller parce qu'on connaît valeur, juste à rien pour vous.
Et même si tu es malade ou pas de chance pour aller à l'église, mais du fond de ton cœur, tu connais la célébration, ça, c'est la célébration paulienne parce que le Christ est ressuscité des morts. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes nous sommes ressuscités, c'est ça qui fait que nous-mêmes nous sommes nouveau-nés, c'est ça qui fait que nous avons une nouvelle vie. Amen. M'invitez-nous, tant qu'on m'habitue à faire chaque semaine avec le message que je porte, pour nous continuer à persévérer. Chemin pas facile, chemin difficile, mais c'est seul monde qui fait violence, c'est ça la Bible dit, capable d'entrer dans le royaume. Donc réunis toutes conditions qui à la portée de vous, longez bras vous, faites toutes sortes qu'on est resté dans la prière, resté dans la parole, mais faut pas quitter sommeil spirituel prend parce que nous par contre qui le nous par contre qui joue que Christ a retourné. Faut parer le lap tourner. Pas garder derrière. Mandel pour le bon force pour capable continuer chemin hein, pour la ferme foi ou. Et ou même en tant que croyant pas qu'un message dans pour distribuer lui. Ouvrez yeux, ouvrez oreilles, on l'autre monde qui a cherché un peu de vérité. Et ceci pour la gloire de Dieu. Moi, béni non bon Dieu, moi, dis le merci, bali gloire et honneur que lui-même seul méritait. Que la paix et la grâce de Dieu visitez vous. Qu'on passe une bonne fin de semaine, et plus particulièrement, un dimanche de résurrection agréable, et que le gain valeur spirituelle pour vous, et on va enseigner entourage qui ça le représenter là au moment de qui ça fait que content qu'on ça je dis hein bah au détail qui ça journée ça représenter pour vous. Amen. La paix de Dieu avec vous, la grâce et la paix de Dieu mes frères et sœurs, la paix.